Yo soy el doctor Ledo Pontes. Yo trabajo como clínico general. Ahora yo hice la especialidad. Yo soy médico legista de la isla de Barlavento, de Cabo Verde. La especialidad no vamos a dejar lo básico, que es médico para ayudar la población. Como yo hice la licenciatura en Cuba, hay muchos estudios sobre plantas medicinales y los farmacéuticos, la base científica estudia las plantas que tiene en el país, lo estudia y lo transforma en medicamentos, que es una forma también de aprovechar lo que tiene. Nosotros en el estudio de la medicina aprendemos algunas cosas tradicional también que se puede resolver los pacientes. Los pacientes no es mandar medicamentos, sino buscar alternativas para aliviar los síntomas que tienen. Les études sont super bien passées comme infirmière, les stages nickel. Et quand je me suis retrouvée dans le milieu du travail, ça n'a pas été du tout la même chose. Une fois qu'on est infirmière et qu'on se retrouve dans le flot du soin, là, on a beaucoup moins de temps pour être à l'écoute des patients, s'asseoir au bord du lit, discuter avec eux, essayer de comprendre ce qui ne va pas. J'étais malheureuse, quoi, tu vois. Je me disais, c'est pas ça être soignante. C'est pas ça. La personne, qu'est-ce qu'elle vit? Qu'est-ce que je peux lui apporter? À part un médicament, en fin de compte, on n'apporte pas grand-chose. Bien, moi, c'est Patrick Lobcher. Je suis praticien, on va dire, de santé holistique. Pour moi, la naturopathie, c'est une pratique de santé. C'est d'abord une philosophie, en fait. C'est une façon de voir notre interaction avec notre environnement différente. Et du coup, complémentaire de la médecine allopathique. On ne peut pas voir le fonctionnement du corps uniquement sur des échanges chimiques ou biologiques. L'approche médicale classique, on va dire, entre guillemets, peut trop s'enfermer là-dessus, sur cette vision mécanique. Et du coup, vu qu'elle se base aussi sur la chimie, ils vont dire qu'il faut un certain dosage de principes actifs pour faire ci, faire ça, voilà. Tu soignes les gens, mais pas complètement, si tu veux. Tu es là vraiment pour administrer, pour faire des gestes et tout ça, mais est-ce qu'on s'intéresse vraiment à l'histoire de la personne, comment elle vit les choses? Souvent, c'est quand même un numéro, tu vois, c'est très déshumanisé quand même, l'hôpital. Pour eux, c'est des moments forts de leur vie. Hein. La maladie, c'est quand même quelque chose de violent pour quelqu'un. Donc, ou même des fois, c'était la veille de la mort. Donc, je pense que voilà, on a vraiment un rôle très important en tant qu'humain. Et ça, l'hôpital ou les cliniques ne nous donnaient pas du tout les moyens de le faire. Et moi, je me sentais très frustrée par rapport à ça. En principio, yo soy médico naturista. Médico naturista es alguien que intenta prevenir o tratar enfermedades a través de los alimentos, a través de las plantas medicinales, a través del ejercicio físico, también control del estrés, la vida en la naturaleza. Et les principes qui définissent la pratique de la naturopathie remontent à l'Antiquité. Il y en a cinq. Il y a un principe causaliste, c'est-à-dire de recherche de la cause. En fait, comme disait Hippocrate, chercher la cause de la cause de la cause, supprimez-la et vous supprimerez le problème. Yo he aprendido en todos mis años como médico que un paciente, cuando tú eres capaz de atenderlo bien, entender su problema de la salud y tenerla de partida, el médico encuentra su base de problema de la salud, a veces lo resuelve más rápido de ir nada más por el síntoma que siente. De par ce principe causaliste, en fait, on va aller plus loin que l'approche antisymptomatique, qui est le propre en fait de la médecine allopathique, entre guillemets, c'est-à-dire il y a une problématique, le corps exprime une problématique, on va limiter les symptômes. C'est ça. Donc ça, c'est très bien, parce qu'il faut quand même soulager la personne si elle souffre. Mais dans la naturopathie, on va essayer de comprendre en fait le contexte. Pourquoi je suis malade? Pourquoi cet organe-là? Pourquoi à ce moment-là de ma vie? Pourquoi dans ce contexte-là? À quel moment de la journée? Est-ce qu'il y a des gens dans mon entourage qui ont eu ça? Je pense que c'est très très important de remettre vraiment la maladie dans son contexte pour essayer de la comprendre. Le ser humano est muy complicado, es muy complejo.
Y hay que tener, lo médico, tiene que tener mucha paciencia, escuchar las personas, no tener prisa con los pacientes de medicar, sino entender por qué desencadena ese problema. Si tú lo tienes medicado, ¿y por qué la tensión no está bajando, por ejemplo? Porque tiene un factor de base que depende de ese paciente. Si vive en un barrio pobre, si vive en un barrio que tiene ruido, que no duerme bien porque tiene miedo que lo roba, no puede resolver con medicamento. Les gens, ils pensent que la maladie, elle vient, hop, elle a tapé à la porte, salut, c'est moi, je suis là. Non, mais il y a toujours une raison. Elle a quelque chose à nous dire. Il y a un sens à ça, il y a un message. Donc le corps, il est là pour faire prendre conscience à notre esprit qu'il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie. La personne est stressée, elle a peur. Elle peut prendre le médicament, medicamento, pero el quien tiene medicamento del miedo. On pense beaucoup, on est toujours dans la réflexion et on oublie de ressentir. On oublie de ressentir, bah là j'ai plus faim, là j'ai faim, là tiens mon corps il a une douleur. On oublie ce corps, on pense que bah, ça nous sert à avancer, à parler, à bouger. Si on est malade, c'est qu'il se passe quelque chose qui n'est pas en équilibre entre notre esprit et notre physique. Donc forcément, il faut essayer de comprendre pourquoi. Si on comprend pourquoi et qu'on commence déjà à adopter un certain comportement face à ça, je pense que déjà on est déjà sur le processus de la guérison. Dans les principes de la naturopathie, on retrouve le principe holistique qui dit qu'en fait, effectivement, bien pour on va dire travailler sur des problématiques de santé, il faut prendre en compte la personne dans sa globalité, c'est-à-dire à la fois physique, émotionnelle, mentale et aussi sociale. La santé naturelle, on va aller quand même plus s'attarder sur les problèmes physiques de la personne, on va s'intéresser à savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de son mental, quelles sont les émotions qui la véhiculent, quels sont ses chocs émotionnels, qu'est-ce qui a perturbé sa vie. On va aller s'intéresser vraiment à un ensemble, quelles sont ses croyances, sa spiritualité. Et on a besoin de ça, en fait, avant d'accompagner quelqu'un. Todos los pacientes, cuando vienen a buscar un médico o un centro de salud o hospital, vienen con 70% de lo que los síntomas que tiene depende del mismo. El 70% de ese problema es problema social. Es problema económico, es problema del estrés. Y esos son problemas que el médico no resuelve, que el médico tiene que entender y decir a las personas que tiene que eliminar esos problemas, tiene que estar más calmo, tiene que alimentar bien, tiene que trocar hábitos de vida. El médico es una persona que tiene conocimiento y que ayuda a otras personas a encontrar la salud, pero no es lo más importante. Lo más importante siempre debe estar en la persona que toma decisiones acerca de cómo debe vivir, acerca de cómo quiere alimentarse, de si quiere una vida más cerca a la naturaleza o más artificial. Un autre principe naturopathique, c'est l'hygiénisme, c'est-à-dire le fait de favoriser l'utilisation des, on va dire, des pratiques naturelles. Donc ça comprend le jeûne, mais ça comprend aussi l'utilisation de l'eau, l'utilisation de la respiration, des pratiques de respiration, l'utilisation des plantes, bien entendu, l'alimentation, qui est fondamentale. Et puis après, bon, on peut aller sur le contexte de l'hygiène mentale, de l'hygiène émotionnelle, donc voilà. Si y a possibilité qui résuelve con un buen hábito alimentaire, con un buen hábito de la vida, con una dieta adecuada, es mejor que implementar los medicamentos. Y cuando tú conoces con quién va a trabajar, ahí entran las posibilidades posibles de los medicamentos. Una planta medicinal que hay en posibilidad en esa región, que se puede utilizar de forma científica, con enseñanza de las personas que saben. Ese paciente, en esa población, no es necesario medicamento, a veces que tiene que comprar, porque ellos tienen medicamento en su pueblo, en su isla, y a veces hace falta las personas que le enseñan a usar. Las plantas medicinales son algo que ofrece la naturaleza y podemos acceder a ellas. Existe un conocimiento en el pasado de nuestros mayores, un conocimiento asociado a las plantas
y también a la salud. Nosotros tenemos muchas plantas medicinales en Cabo Verde. Tenemos plantas que son analgésicos, tenemos plantas que son diuréticos, tenemos plantas que son antibacterianas, que son antiparasitarias, que nosotros podemos usar y están en las facilidades. En muchas islas tienen esas plantas en cantidades que la población lo puede usar. Es más barato y menos perjudicales que los medicamentos ahora usados en las farmacias normales. Aussi, les gens ils voient la plante ou le complément alimentaire comme un médicament, alors que ça, ça me dérange en fin de compte. Parce qu'il y a une relation un peu à voir avec la plante. Je dis toujours, faut croire en la plante, faut s'imaginer dans la nature, faut aimer les plantes. Ça marche, les compléments alimentaires, même si on n'y apporte pas toute cette croyance. Mais je pense que l'effet est potentialisé si vraiment on voit le côté vivant de la plante médicinale. La plante médicinale, c'est un être vivant. Elle respire, elle vit. Hein. On ne peut pas faire de la phytothérapie sans s'intéresser aux plantes et en tant que végétal, en tant qu'être vivant, et aller au moins à leur rencontre. Quoi. Une plante médicinale, c'est d'abord une plante. Elle est médicinale parce qu'on la caractérise comme ça. C'est d'abord une plante. Donc c'est aussi retrouver ce lien, en fait, avec le végétal et le vivant. La vida es saludable en cuanto que tiene un sentido en unión con el resto de seres vivos, porque de esa manera no andamos buscando ese anhelo vital que tenemos todo el mundo en otros lugares, comprando coches o comprando casas. A côté de l'hygiénisme, il y a le principe vitaliste. La philosophie étant qu'il y a une énergie de vie. C'est même une intelligence de vie qui sait par elle-même s'auto-réguler, qui se manifeste en fait dans toute chose vivante et qu'il va falloir donc du coup favoriser dans sa manifestation. Nosotros ayudamos con alimentos, con plantas, con ejercicios físicos o ejercicios mentales o espirituales y el propio organismo mejora su funcionamiento. Y puede sanar por sí solo en muchos casos, por supuesto que no siempre. À un moment donné, la plante aussi doit s'effacer, quoi. C'est nous qui devons reprendre le dessus. Ils vont juste réactiver nos mécanismes de réparation. Nous, on peut toujours se guérir par nous-mêmes. On n'a besoin de rien. On a tout en nous pour nous réparer. Le corps, c'est une machine exceptionnelle, je pense, avec notre esprit. Les deux combinés, c'est, je pense, magique. Je pense qu'on n'imagine même pas le potentiel qu'on a. Et là, ça amène sur les autres principes. Le principe de l'humorisme, en fait, c'est la théorie des tempéraments. C'est aussi le fait que, bien, on est, on va dire, un écosystème en tant que tel. On a un terrain. Et ce terrain a besoin, parfois, d'être régulé pour fonctionner de façon optimum. Il y a des agents synthétiques qui, s'accumulent dans notre organisme. Il y a aussi une société qui est beaucoup plus polluante au niveau physique, psychique, atmosphérique, entre ce qu'on mange, ce qu'on respire, ce qu'on touche, ce qu'on porte. Il peut y avoir des déchets que le corps fabrique lui-même ou qui récupère de l'environnement, que le corps va avoir du mal à gérer, qui du coup vont se stocker dans l'organisme et vont entraîner des problématiques. Parce qu'ils ne sont pas saludables, donc ils se ferment très pronto, donc ils génèrent beaucoup de gastes. El hecho, por ejemplo, de muchas operaciones quirúrgicas, mucha tecnología, resonancia magnética o tratamientos farmacológicos muy, muy, muy caros. Por ejemplo, una diabetes puede vivir hasta 80 años y 40 años tomando medicación, cirugía, porque tienen muchos problemas de circulación, amputaciones, también asistencia para los ojos porque pierden la vista, asistencia para el riñón porque el riñón enferma y todo eso es un acúmulo de gastos año tras año en muchas personas que conduce a un fracaso económico del sistema sanitario. En allant voir le naturopathe, en fait, on pourrait vraiment mettre en place une démarche préventive, d'autant plus qu'en fait, en naturopathie, du fait du principe causaliste,
on cherche les petits trucs. On va chercher la petite bébête. C'est-à-dire qu'on va grappiller les petits signes, on va dire, que le corps exprime, de difficultés de gérer certains déchets ou de problématiques de fragilité qui s'installent dans tel ou tel organe. Et déjà, on proposera des solutions pour éviter que ça s'empire. Et moi, j'ai quand même constaté, de par ma petite expérience, qu'un petit drainage saisonnier, déjà, on pouvait vraiment gagner en bien-être. Moi, je pense que c'est le premier geste à faire. On va utiliser des plantes qui vont aller stimuler nos cinq organes émonctoires, qui sont le foie, les reins, les intestins, les poumons et la peau. Donc, on va leur demander de travailler plus pour se débarrasser en fait des toxines. Donc, le corps, à ce moment-là, va travailler et va éliminer par la peau, par les urines, tous les déchets. Il faut comprendre aussi que la phytothérapie et la naturopathie, c'est un fonctionnement de cure, en fait. C'est-à-dire, petit à petit, on fait des cures et on va réguler son corps. Mais il faut faire ça en amont. En fait, ça devrait être beaucoup plus de prévention que ça ne l'est aujourd'hui. Quelqu'un qui a 35 ans et qui commence déjà à avoir des douleurs articulaires, il faut s'en occuper de suite. Parce que là, par rapport à ça, la médecine allopathique, ils ne vont pas forcément avoir une approche préventive. El sistema médico está muy orientado a la enfermedad y no a la salud. El estar orientado desde la salud conduce al médico y al sistema médico a un trabajo sobre todo de prevención, que la enfermedad no llegue. Le système immunitaire, ça se prépare. C'est pas le moment où on est face à l'infection, c'est le moment de le renforcer. Alors bien sûr, on va essayer de booster. Et va-t'en booster une voiture à laquelle tu n'as pas fait de contrôle technique depuis des années, qui a un filtre, qui est complètement bouché, ou qui l'huile est plus de bonne qualité. Au bout d'un moment, ça risque de casser, quoi. Il y a une façon aussi de voir la santé, de voir notre corps comme une espèce de patrimoine dont il faut prendre soin. Le meilleur problème actuel sont les maladies chroniques. Dentro de las enfermedades crónicas hay enfermedades de tipo inflamatorio, cardiovascular, tumoral, la diabetes, enfermedades metabólicas en general. Y todas estas enfermedades tienen en común que pueden prevenirse, pueden ser evitadas. Les gens, effectivement, devraient aller voir le médecin de temps en temps, mais en fait devraient premièrement se tourner vers la phytothérapie et aller voir des naturopathes pour voir s'il y a déjà pas quelque chose qu'on peut faire avec les plantes. C'est travailler sur les petites choses qui peuvent après s'aggraver et donner des problématiques dans le futur, quoi. Moi, je vois vraiment ça comme un travail de coopération qui pourrait hyper bien fonctionner, quoi. Franchement, il n'y a pas de raison. En général, la impresión que yo tengo de una persona que llega a la consulta, hay una cierta sorpresa y una cierta satisfacción también porque han aprendido algo nuevo. Han aprendido a ver la salud y la enfermedad quizás de una manera más creativa a partir de sí mismo, a partir de sus propias acciones y también más proactiva. La persona en el paz con a sí mismo, esa es salud. Hay personas que están en el campo con la buen ambiente, con buen alimentos natural y no tiene factores que lo desencadenan enfermedades. No tiene factores que le desencadenen el 70% de las dolencias en un paciente que estrés, miedo. No precisa de médico, no precisa del hospital, no precisa de tecnología avanzada en la salud. Ellos mismos tienen su salud porque está natural.